Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Il est présentement 9h33. Puis là, dans le fond, je m'en vais... Hey, excusez, là, j'ai comme une auto qui me suit. Je commence un nouveau vlog dans une auto. Une auto, tu sais, je dis ça comme si j'avais comme quatre autos, mais non, vraiment pas. mais c'est ça, dans le fond, il est présentement 9h33. On est le 18 avril. Puis, en fait, là, je m'en vais... chez mon esthéticienne parce que je pense que je vous l'avais dit dans un autre vlog, mais dans le fond, je fais des traitements au laser pour mes jambes. Fait que là, c'est ça, je m'en vais là-bas ce matin. Ah non, il y a un écureuil, traverse. Ok, c'est bon. J'aime tellement ça, les animaux qui traversent en plein milieu de la rue. Bref, revenons au sérieux. Fait que là, c'est ça. J'ai mon rendez-vous chez l'esthéticienne à 9h45, fait que dans genre 10 minutes. Puis là, après ça... je vais étudier avec Sabrina pas mal toute la journée. Elle va venir chez moi. On va genre se faire de la bouffe. C'est pas mal ça. Puis, ben là, dans le fond, sinon, grosse nouvelle. Hier, j'ai fini mon dernier examen. Fait que j'ai presque fini ma session. Comme, il me reste un travail que justement, je vais travailler là-dessus aujourd'hui. Sinon, ben là... ce soir, c'est mon dernier cours à l'école de l'humour. J'ai vraiment hâte, mais en même temps, j'étais un petit peu fébrile parce qu'en fait, ce soir, on se fait comme un petit spectacle de nos best-of, de ce qu'on a écrit. Puis, ben moi, dans le fond, c'est comme vraiment la première fois que je vais comme présenter, si on veut, comment je pourrais dire, comme debout, tu sais, un petit peu comme théâtralement, mon... genre mon numéro. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis sinon, sérieux, c'est fou comment j'ai eu des vues tellement vite sur mon dernier vlog, là. Mon dernier vlog de quand je m'en vais chez Damien en fugueuse, là. Comme, ah mon Dieu, c'est fou. J'étais genre, je m'attendais vraiment pas à ça en comme si peu de temps, là. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis, ben c'est ça. Je vous reviens un petit peu plus tard. Bon, ben allô. Fait que dans le fond, avant que je parte l'auto, c'était juste pour vous dire que je venais de finir mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Puis moi, dans le fond, je viens faire ça à l'Institut MC à Ville-la-Salle parce qu'en fait, c'est comme vraiment proche de chez nous. Puis sérieux, j'aime tellement ça là, parce que pour vrai, c'est fou comment j'ai tellement entendu des... commentaires par rapport à l'épilation laser que comment ça faisait super mal puis que les gens, ils finissaient jamais leur traitement. Mon Dieu, pardon. Que c'était genre super douloureux, puis que les gens, ils finissaient comme jamais leur traitement. Mais pour vrai, moi, je trouve ça pas si pire que ça. C'est sûr qu'il y a comme certaines régions qui sont plus sensibles, mais sinon, relativement, c'est quand même genre pas si pire. Fait que là, en tout cas, je m'en vais chercher Sab, puis après ça, on s'en va chez nous, puis on va étudier. Ça a l'air si taste. Bon ben Sab, présente-toi au vlog. Ben salut, moi c'est Sabrina, je connais MP depuis qu'on est au cégep, puis on mange le meilleur repas du monde. Sérieux, ça a l'air vraiment taste. Mm-hmm. Bon appétit! Bon ben allô, fait que petit update, parce que je vous ai comme pas reparlé, je pense, depuis que je vous ai montré Sabrina. Mais sérieux, le café c'était tellement bon, je vous ai pas dit où est-ce qu'on est allé, mais on était au Marius et Fanny. C'est à la Chine. Je sais pas si c'est comme une chaîne ou peu importe. Mais en tout cas, je vais mettre le lien en barre d'infos. Puis c'est vraiment bon pour vrai. C'est comme un petit café, mais en même temps, tu peux comme prendre des trucs pour manger puis des trucs pour apporter. Puis ils font comme des pâtisseries comme quand même, tu sais, des bonnes pâtisseries. Puis c'est quand même des prix vraiment raisonnables pour la qualité que c'est. Donc, c'est ça. Moi, dans le fond, je m'étais pris une... mini quiche, poireaux, fromage de chèvre, excellente, avec deux salades, une salade feta, melon d'eau, puis une autre salade, c'était comme des légumes avec une espèce de mayonnaise, whatever, là. Mais c'était vraiment bon. Puis en fond, c'est ça, cet après-midi, Sabrina puis moi, on a étudié, puis on a fait deux choses, en fait. On a étudié, puis on a, parce qu'en fait, probablement à la fin de cet été, Sabrina, Ariel, une fille que vous connaissez pas encore, puis moi, on risque d'aller passer un week-end à New York. C'est juste que là, on commence à regarder les Airbnb parce que
on se rend compte que ça se book vite, un appartement à New York. Fait que Sabrina puis moi, on a commencé à checker ça aussi. Puis c'est pas mal ça. Puis aussi, quelque chose que je me rends compte que j'ai oublié de vous dire, parce que en fait, je me suis rendu compte que dans mon vlog précédent, je vous parle que comme il y a la compagnie Vita Apparel qui m'a contactée pour me donner un code promo pour comme acheter des genre des maillots de bain et tout. Puis en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai un code promo dans le fond qui vous donne 10% sur les maillots de bain. C'est en barre d'infos, c'est Marie-Pierre dans comme il n'y a pas de trait d'union là, Marie-Pierre 10. Mais si vous voulez être sûr, allez voir en barre d'infos, je l'ai inscrit. Puis honnêtement, pour vous dire, c'est la première fois que j'achète des maillots de bain en ligne. Puis c'est fou comment je suis surprise de la qualité. Vraiment. Comme, c'est... Tu sais, c'est comme... Le prix vaut la qualité du maillot de bain. Fait que si vous trouvez que c'est un petit peu cher, ben dites-vous que c'est pas comme quelque chose qui va être cheap. C'est vraiment quelque chose que c'est comme un bon matériel et tout, parce que je vous... Je dirais pas des affaires de même si ça serait juste pour que... utiliser mon code promo, là, vraiment pas. Puis si jamais vous l'utilisez, ben, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté. Je serais vraiment curieuse parce qu'en plus, là, ils ont sorti des nouveaux modèles. Je suis allée voir, puis ils sont vraiment malades. Fait que, allez checker ça. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que là, on est présentement le 20 avril. Il est autour de 1h20 de l'après-midi. Et c'est avec un chandail dégueulasse, des cheveux dégueux, que je vous dis que j'ai officiellement terminé ma session! Woupoupou! Je viens d'envoyer mon dernier travail. Sérieux, je suis tellement, tellement, tellement contente. Pour vrai, j'étais tellement tannée. Genre, ouais, je suis vraiment contente pour vrai. Fait que, c'est ça. Fait que je vais aller manger. Puis, je vais peut-être aller dormir. Who knows? Ou je vais peut-être filmer une vidéo. Bon, ben, update tout le monde. Fait que là, en fait, finalement, j'ai décidé de vous tourner une vidéo parce que j'ai fini de manger et tout, puis il me reste quand même pas mal de temps avant que j'aille travailler. Fait que je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais filmer. Fait que là, dans le fond, je filme une revue sur les produits e.l.f. Fait que vous irez voir ça. Hey, checkez-moi le bordel! Je viens de finir de faire ma vidéo, puis ouais. Je viens de finir de faire ma vidéo, puis là, je me suis comme démaquillée, là, à part les yeux, parce que sérieusement, vous allez voir, là, les produits pour le teint, là, ça a vraiment pas marché sur mon visage. Mais ouais, vous allez tous voir ça. Bon, ben, allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que là, je continue le vlog. Dans le fond, là, je pense qu'on est le 22 avril, puis il doit être autour de comme 6h15, 6h20. Fait que là, premièrement, grosse nouvelle, en fait, aujourd'hui, j'ai passé la journée au Carrefour en Grignon parce que je suis allée changer mon cellulaire. Je suis maintenant rendue avec un iPhone 8. Pour vrai, c'est malade, c'est parce que... En fait, c'était vraiment pas dans mes plans de changer de téléphone, mais vraiment pas, parce qu'avant, j'avais un iPhone 6, puis, tu sais, il fonctionnait correct, mais il commençait vraiment à, comme, à plus vraiment tout fonctionner. Tu sais, mon bouton central fonctionnait plus, j'étais plus capable de prendre des vidéos avec ma caméra d'en avant, puis là, je suis capable, puis je me vois, et j'aime ça. Fait que, tu sais, il y avait comme plein de petites affaires qui allaient pas, puis honnêtement, ça faisait comme 3 ans et demi que je l'avais, mon iPhone. Fait qu'on s'entend que c'est comme... quand même une longue durée de vie pour un iPhone. Puis là, en fait, c'est que là, j'étais avec Belle, mais tout le reste de ma famille, y compris la compagnie de mes parents, est avec Fido. Fait que là, en fait, on est allé me changer pour Fido. Comme ça, ben, ça allait donner full de rabais. Fait que dans le fond, j'ai eu un iPhone 8 gratuit, puis j'ai un contrat qui coûte comme, genre, un prix legit d'un contrat pour un iPhone. Fait que bref, j'ai un iPhone 8, c'est le, genre, rose gold, je pense. Ouais, parce que c'est ça. Puis, OK, avec les Fido points, puis là, regardez pas, c'est vraiment le bordel en arrière, là. Mais avec les Fido points de ma mère, comme, c'est fou comment j'ai plein de stock. OK, il faut que je vous montre ça. Premièrement, ben là, il est sur mon téléphone, enfin, je peux pas vous le montrer, mais j'ai un case gratuit, puis dans le fond, c'est marbre, exactement comme le fond ici. Fait qu'il est vraiment beau. On s'entend un fond, on s'entend un case gratuit, c'est fou, là, puis normalement, il est genre 30$ ce case-là, fait que c'est quand même... C'est quand même hot, là.
Sinon, j'ai aussi un écran protecteur qui vaut normalement 30$ que j'ai eu gratuit. Ça, là, c'est malade. C'est une... Faudrait pas que je la pète. C'est une base, un socle de charge sans fil. Fait que c'est comme tu viens mettre ton téléphone là-dessus puis ça charge. Genre, sérieux, c'est malade, là. J'ai jamais eu ça de ma vie, puis je suis juste comme, I'm shook. La base, normalement, est 45. Fait qu'on s'entend que déjà, avec trois produits, j'ai comme 105$ d'économie. On s'entend. Ici, j'ai un all-in-one. Fait que dans le fond, c'est un chargeur qui peut venir utiliser plusieurs appareils en même temps. Dans le fond, il y a, je sais pas exactement c'est quoi les plugs qu'il y a, mais il y a genre vraiment beaucoup de stock. Puis ça, normalement, c'est 65$. Après ça, sérieux, là, c'est malade, là, ça n'a aucun sens. C'est des ampoules. Là, vous voyez pas très bien, là, mais c'est des ampoules. Comme c'est pour mettre dans les lumières. Puis tu peux allumer tes lumières, changer la luminosité avec ton téléphone. Comme. C'est quoi ma vie? Finalement, elle m'a donné un petit speaker comme ça. Je pense, ouais, c'est Bluetooth. Ça a une autonomie de 6 heures, puis c'est résistant aux éclaboussures d'eau. C'est très pratique parce qu'on a une piscine chez nous. Fait que sérieux, c'est fou, là. Comme, on s'entend que je pense que j'ai comme pour à peu près 150, la lumière vit mal, j'ai pour à peu près 150-200$ de produits gratuits, plus un iPhone 8 gratuit. C'est assez fou. Fait que bref, je pense que là, j'ai assez de temps pour faire un vlog. Fait que je vais conclure le vlog là-dessus. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!